Vous avez probablement déjà entendu dire que les hommes, s'ils sont plus violents, c'est à cause de la testostérone, c'est naturel. Et les viols, c'est pareil, ils ont des pulsions incontrôlables, les pauvres, c'est pas leur faute. Mais bon, vous vous doutez bien que tout ça, scientifiquement, c'est... La punchlineuse du jour, c'est Françoise Héritier. En janvier 2012, le magazine de vulgarisation scientifique Science et Avenir sort un hors-série. Il demande à 100 scientifiques de répondre à une question. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme avec un grand H, évidemment, vous vous doutez bien. Bref, certains vont écrire des articles sur le génome, la spiritualité, l'économie, voire Internet. Mais une va répondre, l'homme est le seul animal dont les mâles tuent les femelles. Oui, quand même, oui. Cette femme, c'est Françoise Héritier, une grande ethnologue et anthropologue du XXe siècle qui a notamment siégé au Collège de France. Françoise Héritier, c'est aussi un peu une icône pour nous, les féministes, parce qu'elle a énormément étudié la domination des hommes sur les femmes pendant sa carrière dans les différentes sociétés. Et en 2012, quand elle envoie cette punchline, elle a 79 ans. Or, cette punchline, bah, c'est une excellente réponse à un argument antiféministe qui est très répandu, l'argument naturaliste. En gros, ça consiste à dire que la domination des hommes sur les femmes, et notamment les violences sexuelles et conjugales, eh ben c'est naturel. On peut par exemple citer Havelock Ellis, qui est considéré comme rien de moins que l'inventeur de la sexologie, et qui écrit au tout début du XXe siècle « Le plaisir à manifester son pouvoir sur une femme en lui infligeant de la douleur est le résultat et le vestige du processus primitif de parade nuptiale ». Quand même. Donc la théorie de l'évolution, qui avait rien demandé à personne, la pauvre, et qui se retrouve là, instrumentalisée, pour justifier les violences masculines. Parce que cette théorie qui a l'air de donner une explication absolument indiscutable à un comportement humain, mais elle s'appuie sur aucune méthode scientifique en réalité. Mais comme elle fait mine de s'appuyer sur la biologie, ça fait sérieux, ça fait autorité. Or, ce raisonnement, c'est ce que Bourdieu appelle la biologisation du social. Donc quand Françoise Héritier dit qu'aucun autre animal que l'humain ne tue sa femelle, c'est une forme de trolling de sa part. Parce qu'elle, en tant que scientifique, elle est bien placée pour savoir ce qui se passe réellement dans la nature. Et elle le rappelle un peu plus loin dans l'article. Les animaux connaissent certes des hiérarchies et se livrent à des combats, mais pas entre mâles et femelles. Et les mâles ne battent délibérément ni ne tuent les femelles du groupe. Et la raison à ça, elle l'explique plus tard dans l'article, c'est qu'évolutivement parlant, justement, ça paraîtrait particulièrement débile de tuer les gestatrices du groupe. Et donc elle continue. Ce qui signifie que le comportement d'agression des hommes à l'égard des femmes n'est pas un effet de la nature animale et féroce de l'homme, mais ce qui fait sa différence, qu'on appelle conscience, intelligence ou culture. Les violences masculines, c'est donc non pas un comportement naturel, mais un comportement social. Et il s'avère que c'est une des spécialités de Françoise Héritier. Pendant sa carrière, elle a observé que dans toutes les sociétés, le masculin était considéré comme supérieur au féminin. Et elle a appelé ça la valence différentielle des sexes. Les hommes contrôlent les femmes, ils les possèdent, ils les échangent, ils les marient. Et ça, selon Françoise Héritier, c'est précisément parce que ce sont elles les gestatrices. Les hommes veulent contrôler la reproduction, donc ils veulent contrôler le corps des femmes. Et quand on comprend ça, eh ben, on comprend mieux pourquoi l'accès à la contraception et à l'IVG, c'est un des combats fondamentaux du féminisme. Voilà, c'était Punchlineuse, un format court qui est maintenant récurrent sur la chaîne. Si ça vous plaît, bah, vous savez comment me soutenir, hein, les trucs habituels, liker, commenter, partager, vous abonner, etc. J'ai aussi un Patreon. Mais c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'était ce magnifique décor. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plein d'objets un petit peu random. Eh bien, sachez qu'ils ont été choisis avec soin. Chacun de ces objets représente l'une des punchlineuses de la série. Et donc, je voulais vous faire jouer. Est-ce que vous saurez deviner quelle est l'identité de toutes ces femmes? Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a absolument rien à gagner, mais ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour le prochain épisode.